Bonsoir à tous les amis, on va suivre la flèche pour découvrir ce nouveau X3 découverte de nuit, de l'éclairage d'ambiance, et on fera un petit roulage à bord. Allez, l'éclairage à l'avant, petite cinématique des feux, projecteur BMW laser avec une portée remarquable, identifiable avec ce petit liseré bleu du plus bel effet. Et ça sera tout en termes d'animation. Admirez quand même cet hologramme BMW affiché ici, même pas. Alors j'essaie de m'amuser où est la lumière de cet hologramme. Il est en dessous du pare-choc, vous voyez. Et ça c'est fort, habituellement les autres constructeurs le mettent sous les rétroviseurs. Et là vous avez une lumière qui vous accueille directement. Allez, on fait un tour à l'intérieur. Hop, je change. Bon, un intérieur où l'éclairage d'ambiance est plutôt flatteur et met en relief, souligne un petit peu le design de cet intérieur d'un BMW X3 dans cette finition M-Sport. Alors de nuit forcément ça sera pas un essai, mais l'occasion de faire la petite discussion au volant. Bon, à l'arrière, même traitement de faveur. Alors admirez ces finitions. Ici on a des bandeaux lumineux personnalisables. On n'a que 6 couleurs personnalisables par contre à l'intérieur. Donc à l'arrière, hein, soyez rassurés, les passagers arrière seront quand même choyés avec un joli traitement quand même ici. C'est plutôt joli hein, quand même. Avec ces petits rideaux intégrés dans les portières. Donc à l'arrière, n'ayez crainte, vous allez passer un très bon moment. Et voici la vue qu'auront les passagers à l'arrière. Et nous on prend le volant de ce X3. Allez, on prend le volant. Alors déjà, présentation de nuit, petite animation derrière le volant, compteur digital, on a les palettes au volant, si ça peut être pratique. Alors, d'abord, on va allumer contact. Démarrage en silence, ou presque, avec une petite animation de nuit. Les feux laser qui se déploient devant moi. L'affichage tête haute de qualité aussi, ou paramétrable. On peut intégrer différentes informations. Bon, technologie à bord bien sûr, avec ce grand écran de 12,3 pouces, système d'éclairage où vous allez pouvoir avoir à peu près 6 couleurs et quelques combinaisons. Donc c'est pas aussi pointu qu'une Mercedes, mais quand même on arrive à trouver son petit bonheur, ça c'est plutôt pas mal. Et puis moi j'adore ces définitions quand même propres à BMW. Bon, ce volant, c'est vrai que quand tu as goûté au nouveau volant du X1, t'as envie de te dire vivement la mise à jour sur ce X3 du volant, parce que il fait un petit peu daté, hein, je vous le dis tout de suite. Derrière ce compteur, on pourra paramétrer grâce à ce petit bouton, hop, je vous mets là, il faut le trouver, hein, bouton BC, comme boarding computer. Et là, tu pourras juste avoir l'autonomie, les consommations ici, je vous rassure, c'est des consommations en kilowattheure. Et voilà les différentes informations sur la conduite. Et là ici vous avez une jauge entre le couple et la puissance en kilowatts. Voilà tout. Et puis si vous vous mettez en mode sport, les boutons sont ici. Je fais ça délicatement. Hop. L'univers rouge sportif apparaît. Très léger comme design, mais on aime. Hein. C'est plutôt la classe. C'est du BMW. Et puis ici vous avez le mode hybride électrique. Sport, auto H comme auto hold. Vous avez la petite boîte automatique à 8 rapports qui est plutôt pratique, sympa, réactive et très efficace. Et honnêtement, je vous le dirai dans mon essai, mais j'ai été très très surpris dans le bon sens du terme de l'ensemble de la boîte, du moteur et du moteur électrique. C'était vraiment trop cool. Ça, s'il vous plaît, les constructeurs, gardez cette molette. C'est tellement pratique. Ça te permet de naviguer partout où tu veux sans quitter le regard de la route. Et ça, en termes de sécurité, franchement, il n'y a pas mieux. Tiens, nous y voilà. On a plusieurs modes de réglage. C'est ça que j'aime bien dans ces voitures premium, c'est d'avoir
une liberté dans les réglages. Là, on peut régler le son moteur sportif, équilibré, réduit. On peut régler plein d'autres choses. Alors, effectivement, la navigation, pourquoi on aurait le son moteur avec les protections de données? Écoutez, ça, en termes d'ergonomie de navigation, c'est discutable, mais finalement, j'ai pris mes repères au bout de quelques jours. Mode de conduite, voilà, on peut tout régler. On peut vraiment se faire plaisir dans les réglages. Moi, j'adore. J'adore me perdre un petit peu dans les réglages et me dire, ah, ils ont mis ça comme réglage, c'est possible. Donc, on a plein d'attention pour tous ceux qui sont geeks ou tous ceux qui aiment tout simplement régler leur voiture aux petits oignons. Je vais pas tous les faire parce qu'il y a pas mal d'écrans, de paramétrages. On peut régler l'affichage tête haute, on peut régler le combiné d'instrumentation. Vous voyez qu'on peut donner un peu plus d'informations ou être en mode réduit. Voilà. Pendant ce temps-là, l'écran. Voilà, ça donne ça. Donc, franchement, il y a plein de choses. Et puis, pour tous ceux qui n'aiment pas les lumières d'ambiance, bah, vous pouvez tout simplement, comme toutes les voitures, éteindre la luminosité et donc éteindre cet éclairage d'ambiance. Donc, pareil, vous avez différents réglages sur les verrouillages de porte, le signal sonore au déverrouillage, la fermeture du toit automatique, l'éclairage intérieur. C'est peut-être pour ça que vous y êtes. 400€ hein, l'option. Et donc là, ouais, je vous disais, vous avez à peu près 6 couleurs et puis vous avez des combinaisons de couleurs entre bronze et blanc. On peut faire ça. Yeah, c'est très léger. On peut faire que du orange, on peut faire du orange et blanc. Voilà, on peut s'amuser un petit peu. Alors c'est pas aussi détaillé qu'une Mercedes GLC, mais écoutez, pour tous ceux qui veulent pas trop de bling bling et pas transformer leur voiture en boîte de nuit, écoutez, ça fait clairement le job. Moi, je vais mettre en lilas, c'est ma petite couleur préférée. Après, effectivement, et ça je le dirai dans mon essai, c'est qu'on a énormément de boutons. Et depuis que j'ai testé le X1, et finalement, je me dis qu'un entre deux serait pas plus mal, parce que tout mettre dans l'écran digital, oui. Trop de boutons ou un bouton égale une fonction, je dis non. Aujourd'hui, on est quand même en 2022, mais je pense qu'un compromis entre les deux serait plutôt judicieux. Voilà. Bon, je vous parle quand même des consommations. Bon, consommation, écoutez, je vais vous montrer ça tout de suite. Tac. On va dans statut véhicule, non, info de bord. Là, je vais vous donner les données de conduite. Et là, je peux vous donner un petit peu mon ressenti sur les consommations. Depuis le dernier plein, ça fait à peu près 12 jours. J'ai fait du 2,9 litres au 100 sur la partie carburant. Sur la partie électrique, j'ai fait du 16 kWh pour 100 km. Et sur 400 km, j'ai roulé 285, presque 286 km en électrique. Ça, c'est à condition de jouer le jeu des recharges. Effectivement, je rechargeais quasiment tous les jours, voire tous les deux jours, pour profiter justement de l'électricité. J'avais la possibilité de recharger sur des bornes rapides, entre guillemets, puisqu'il faut attendre à peu près 3h40 pour charger les 12 kWh. Et du coup, ça me permettait de rouler en full électrique chaque jour, à peu près 40, voire 50 km. Et puis ça, c'est plutôt pas mal, hein. En temps de pénurie de carburant, du coup, j'ai quasiment rien consommé. Depuis que je l'ai, depuis le dernier plein, j'ai rien consommé, regardez. 0 litre de carburant. Et j'ai fait par contre du 25 kWh parce que là du coup j'ai sollicité uniquement le moteur électrique qui fait 109 chevaux. L'ensemble hybride fait 292 chevaux et 420 Nm de couple. Très important de le savoir. J'arrête de parler, on prend le volant. Alors, petite expérience, la charge est finie comme l'indique la borne. On va débrancher ici. Petit accueil de nuit. Alors, il y aura une vidéo forcément de nuit. Je voulais juste vous montrer le résultat final. On peut obtenir une autonomie totale en full électrique de 49 km. Alors ça reste dans la moyenne. Il y en a qui font beaucoup plus comme le GLC. Et puis un Audi Q3 sera quasiment sur les mêmes chiffres. Donc voilà, vous savez tout. Maintenant je peux rouler tranquillement en silence en électrique. Allez, c'est parti. On va rouler un peu de nuit rapidement. Hein. Regardez l'intérieur. Alors c'est très léger hein, comme intérieur éclairé. On est dans une BMW, donc on reste assez sobre, hein. Le plus important c'est au volant, c'est le plaisir de conduite à bord d'une BMW. Est-ce que c'est le cas à bord d'un X3? Est-ce que c'est le cas à bord, allez-y je vous en prie, est-ce que c'est le cas à bord d'une voiture hybride? Écoutez, je vais pas vous mentir, hein. Aujourd'hui les véhicules hybrides, qu'ils soient SUV, berline ou citadine, c'est uniquement pour une seule raison, ne pas payer de malus, ne pas perturber les prix de vente finale.
Et donc, forcément, ça a des avantages fiscaux, surtout pour les entreprises. Pour les particuliers, vous allez payer plus cher. Et puis, vous allez pouvoir aussi prétendre rouler en électrique dans les villes. Vous connaissez la chanson. Donc, plaisir de conduite, c'est un grand mot. En tout cas, les voitures sont souvent plus lourdes. Mais je trouve que ce X3, vous le verrez dans mon essai détaillé, hein, il y aura un essai ou il y a un essai. Je ne sais pas quand est-ce que je vais monter cette vidéo. En tout cas, hop, on va allumer la lumière pour y voir un peu plus clair. Et donc, du coup, forcément, c'est un parti pris. Il faut avoir les moyens d'acheter une hybride. Par contre, c'est vrai que vous avez un gain supplémentaire, un agrément supplémentaire, puisque vous avez la possibilité de rouler en électrique, en silence, et puis d'avoir justement ce complément de puissance instantané qui vient épauler le moteur thermique. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est un avantage supplémentaire. Après, voilà, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, et on ne sait pas comment ça va vieillir, hein, toutes ces voitures, parce que forcément, quand on dit hybridation, on dit forcément complexification du moteur, donc peut-être une source de problème. J'aime bien aussi ça, c'est pas mal. Ça, c'est cool. Ça, la commande gestuelle, j'aime bien. Et donc, du coup, effectivement, on ne sait pas comment vont vieillir ces voitures. De toute façon, personne n'a la réponse pour le moment. Donc j'essaie de vous faire voir un petit peu les différents affichages. On s'amuse quand même, hein, à travers cette ergonomie. Ça y est, j'ai compris comment ça fonctionnait. Donc, c'est ultra fluide. J'adore aussi ça, cette petite molette où vous quittez pas du tout le regard de l'écran. Et plutôt, vous quittez pas le regard sur la route et vous avez vraiment la main sur l'écran. C'est vraiment, je suis connecté avec l'écran tout en ayant justement, hop, je suis focusé sur la route. Ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Et ça permet finalement d'être plus sécure que tous ces écrans tactiles. Alors, je sais que je me bats, le combat est perdu, puisque de toute façon, les futures voitures, et même, vous le voyez dans le nouveau X1, c'est un écran full tactile. Ils ont carrément enlevé toutes les commandes manuelles pour commander l'écran. Donc ça, c'est un peu dommage. Sinon, et même sur la nouvelle Classe A, donc pour vous dire, donc ça, c'est dans l'air du temps. J'aime beaucoup cet écran, ça c'est plutôt sympathique. Alors malheureusement, je peux pas le régler, j'ai que une configuration électrique, une configuration sport, une configuration hybride pardon, et électrique, ça change légèrement. Voilà, donc pas de personnalisation sur cet écran. Voilà, et puis en mode électrique ou plutôt en mode hybride, ça c'est plutôt ça qui vous intéresse. On a le mode standard ou le mode Eco Pro qui va optimiser les consommations. Voilà, vous savez un petit peu tout à bord. On a les sièges chauffants ici. Alors c'est vrai qu'on a pas mal de boutons. Je vais allumer la deuxième lumière et on a énormément de boutons. Ça c'est radical. Alors les nouvelles BMW auront moins de boutons. Et c'est vrai qu'il y a un peu tout. Donc effectivement, une touche, une fonction. Mais voilà, c'est... Faut s'habituer. Bon allez, bienvenue à bord de ce BMW X3. J'espère que vous m'entendez et on va faire une petite discussion de nuit. Alors là, le premier défi, c'est d'aller faire le plein à la station essence. Et je vous rappelle, je vous remets dans le contexte parce que peut-être que vous verrez la vidéo dans quelques mois et que le problème sera terminé, résolu. C'est que nous sommes en pleine pénurie de carburant depuis pratiquement une semaine, que plein de gens se font un malin plaisir de remplir et de faire un complément de plein alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Donc je vais aller vérifier tout ça, je vais aller à la station essence de Leclerc Bois d'Arcy, c'est l'une des moins chères l'île de France d'ailleurs pour information, et on va voir tout ça. Alors moi j'ai pas vraiment de soucis par rapport à ça puisque je roule en hybride et donc en électrique, donc j'ai la chance, encore une fois, de pouvoir recharger le véhicule, donc la batterie, hein, de 12 kWh, ce qui me permet de faire mes trajets quotidiens en électrique sans toucher une goutte de carburant. Et donc ça, c'est plutôt pratique. Donc on va faire une petite... Ah ouais, c'est déjà la queue là-bas, d'accord. Ok. Ah ouais, le bordel. Bon, écoutez, je vais juste passer devant pour vous faire voir. Mais c'est le bordel. Hein. C'est le gros bordel. Et puis du coup, effectivement, donc la tendance, c'est que demain, tous les grands constructeurs vont... Alors regardez, il y a même... Mauvaise pioche, la station essence était fermée, malheureusement. Bon, écoutez, ça va, je m'attendais à plus de bordel, mais il y a eu des heureux chanceux qui ont réussi à remplir leur voiture.
ils annoncent une fermeture de la station à 20h, il est 19h52, allez comprendre pourquoi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave vraiment là. C'est juste que je dois rendre la voiture après-demain avec le plein. Et malheureusement, il me reste quelques gouttes de carburant encore, ça va, mais bon, je suis pas en panne sèche et je suis pas à plaindre. Voilà. Bon, je reviens sur le marché, marché qui va devenir un objet de luxe. Là, vous avez juste à gauche les caméras. C'est toujours un sujet important aux yeux des médias. Hein. Pénurie de carburant, les grévistes, ça leur donne de la matière derrière à parlementer et à faire surtout de l'audience, c'est plutôt ça. Voilà les amis, j'espère que cette découverte de nuit de ce X3 G01 2022-2023 vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à réagir avec bienveillance en commentaire. Et puis, n'hésitez pas aussi à soutenir la chaîne, cette vidéo avec le petit pouce. J'aime pas trop faire ça, mais on est obligé. C'est YouTube qui nous oblige, entre guillemets, à engager sa communauté. Donc, s'il vous plaît, un petit soutien, le petit like, un petit commentaire bien sûr si vous avez envie de donner votre avis sur ce X3 de nuit. Est-ce que ça vous a plu ou est-ce que vous préférez peut-être ses concurrents Mercedes GLC, Audi Q5 ou Volvo XC60 et peut-être d'autres que j'aurais oublié. N'hésitez pas du coup à les rajouter en commentaire. De jour comme de nuit, je vous dis à très vite sur la chaîne Vlog Cars Passion. Abonne-toi aussi si t'es pas abonné et surtout active les notifications. Ciao ciao.